Salut! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je suis tombée sur ce challenge là. C'est 30 jours en fait où on est censé se muscler le ventre et je vais voir si j'y arrive pendant le mois de juillet. C'est prévu une canicule, bien sûr, je vais tomber sur le mois le plus chaud. Passons. On va essayer de faire déjà le premier, c'est 15 crunchs. 6 levées de jambes, 12 pédalages et 15 secondes de planche. Bon, on va essayer. Alors, 15 crunchs. Alors, les crunchs, c'est tout bête. 15 crunchs, c'est. Attendez. C'est mieux en tenue. Enfin, façon de parler. Donc, 15 crunchs, c'est. Les jambes comme si vous alliez faire des abdos avec les pieds bien au sol. Vous mettez comme ça. Hop. Voilà. Et ensuite, vous levez légèrement le buste, les épaules, mais sans forcément viser la nuque. Le but, c'est les épaules qui vous portent. D'accord? En mettant les bras en avant pour vous aider. D'accord? Donc, pieds au sol, jambes pliées. Ensuite, mettez bien les fesses comme ça. Vous descendez, les bras tendus, et c'est vos épaules qui vous soulèvent. Ah, je peux vous dire qu'on le sent. Il faut bien faire attention à ce que ce soit les épaules qui portent et non pas la nuque. Si vous faites avec la nuque, vous risquez plus d'avoir des problèmes au niveau des trapèzes. Donc c'est le muscle triangulaire qui descend comme ça. C'est très mauvais hein, de faire travailler trop la nuque. Il faut faire travailler le buste. Ça va vous permettre de vous redresser. En plus, les bras, vous aidez beaucoup à vous redresser, à utiliser juste les épaules, pas la nuque. Épaules, c'est tout. C'est les épaules qui portent le buste, pas la nuque. D'accord? Ensuite, ça fait mal au bide, hein, je vous le dis tout de suite. 5 levées de jambes. Alors, donc, je vais me reculer un peu. 5 levées de jambes. Alors, ils disent de poser vos jambes comme ceci, de lever une jambe, puis l'autre. Une jambe, puis l'autre, en gardant. Les jambes tendues. Et un lever de jambe, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez? J'en ai fait 5 déjà. Ça nique les cuisses. En refaire 5, mais cette fois-ci, il faut que votre dos soit au sol. Attention, je vous conseille de mettre vos mains pour débuter. C'est foutre vos mains sous vos fesses. Comme ça. Elles ne vous gêneront pas et ça va vous aider au début. Du moins au début. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris du poids, donc je vais suivre ça. En plus de changer mon alimentation, je vous ferai une vidéo sur mon alimentation en général. Mais les filles, faut se soutenir. Et 30 jours, c'est rien dans une année. Si ça vous permet non seulement de faire un rééquilibrage alimentaire, d'avoir un rythme de sport correct et reprendre de l'endurance, ça serait super. Bon, allez, je vais refaire les 5. Cette fois-ci. Je mets mes mains sous mes fesses, je me couche et je lève. Vous sentez travailler hein, les abdos. Ouh. Pédalage, c'est... Enfin, je vais me mettre plus comme ceci, hein, que vous me voyez. Donc d'abord, vous avez... Mais attention, faut pas utiliser la nuque. Hop. Et mettez au niveau des tempes, c'est encore mieux. Vous levez une jambe, vous allez le toucher avec le coude.
sentez vos abdos, mais bossez. Alors, la planche. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal pour la planche. Surtout les femmes. Voilà, c'est 15 secondes. Si vous n'avez pas de minuteur, vous dites un crocodile, deux crocodiles. Toujours rajouter un mot assez long derrière. C'est ma mère qui m'a appris ça. Donc, pour la planche. Les mains comme ça. Les pieds comme ça. Et on compte. Faire un peu tous les jours. Bien sûr, je vous montrerai aussi ce que je mange en général parce que je me relance dans un régime avec de gros grosses guillemets. Hein. J'ai été voir une nutritionniste, elle m'a conseillé une façon de manger beaucoup plus différente que celle que j'avais au début. Sachant que, petite parenthèse, je monte à cheval, donc je fais du sport en plus. Après, j'ai beaucoup remplacé mon grignotage. Je dis ça, mais... Il y a une bouteille de coca là, mais ça c'est mon petit plaisir. Je me suis dit qu'à un verre de coca, c'est 3 verres d'eau. Donc si je me prends un verre de coca, je bois un verre d'eau avant, le verre de coca, 2 verres d'eau après. Comme ça, progressivement, ça m'évite d'en boire trop parce que l'eau me... Donc, on va faire ça ensemble pendant 30 jours. Je vais essayer de poster le plus de vidéos possible pendant 30 jours. Je ne vous dis pas que ce challenge va être une réussite. Hein. Je n'ai jamais dit que ce challenge allait être une réussite. Mais puisque la planche travaille les abdos qui ne sont pas visibles, la crush, etc. Le fait de pédaler comme ça, ça travaille les abdos sur les côtés. Le lever de jambe, ça travaille les abdos ici. Et le crush, ça travaille les abdos en général. Après, j'ai d'autres exercices comme ça. En ce moment, je travaille beaucoup. Enfin, j'essaye de m'améliorer au maximum pour changer mon rythme d'alimentation et de sport. Donc, voilà, on verra. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a motivé à faire du sport. Dites-vous que moi, je suis comme vous. On a fait tous des écarts, etc. Donc... C'est le moment de se remettre en forme. Petite parenthèse, les régimes bikini en 2 semaines, ça n'existe pas, hein. Dites-vous ça. Si vous faites un régime comme ça, vous allez reprendre d'un coup. Voilà. Donc je vous conseille franchement de suivre mes vidéos. J'essaierai de faire une vidéo par jour, sachant que j'ai un jour de repos. Donc j'ai 4 jours de sport, un jour de repos. Donc c'est déjà pas mal comme exercice, etc. Je vais y arriver. Bon. Faut se soutenir, on va y arriver les filles. Le but c'est qu'on trouve un moyen pour mieux s'alimenter, pour perdre du poids, pour se muscler, pour être en forme, d'accord? Autre parenthèse, je fais ça en plus d'aller marcher dans mon village. Donc mon village en tout ça fait 8 km de long, donc voilà, je peux marcher. Je vous conseille pour les gens qui veulent aller marcher, c'est d'y aller en fin de journée quand il commence à faire frais, surtout qu'on est en période de canicule. Donc ne tentez pas en milieu d'après-midi enfin juste avant midi, c'est une tuerie pour tout vous dire, d'accord? Allez, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vais essayer d'en faire plus souvent.